Si tu veux avoir des gemmes gratuitement et facilement, je te conseille d'aller voir en description sous la vidéo, de cliquer sur le lien pour avoir des gemmes gratuitement et d'écouter la vidéo. Tu pourras savoir comment j'ai eu autant de gemmes. C'est parti, on commence la vidéo, go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour vous parler des deux sneak peeks qui sont arrivés. Donc, des nouvelles cartes vont arriver. Là, c'est le sneak peek numéro 2, des nouvelles cartes vont arriver. Et le sneak peek numéro 1, donc, si je l'ai pas oublié, il est juste ici. Donc, premier sneak peek. Donc, a priori, attends, on va voir les infos, mais je crois que la mise à jour sort bientôt quand même. Mais en gros, donc, on aura plusieurs slots. Enfin, ouais, pour les decks. En gros, là, on en a 3. On en a 1, 2, 3 pour choisir nos decks. Et là, on en aura 5. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est, en gros, on pourra faire des decks spécial tournoi, des decks spécial leader, des decks what the fuck ou comme on veut quoi. On pourra faire, voilà. En gros, moi je pense que je ferai 3 bons decks et les 4 et 5e, ça sera soit des decks pour les vidéos, soit des decks pour le clan, pour troller, enfin pour les vidéos sûrement. Donc ça peut être vraiment sympathique en tout cas d'avoir 5 espaces pour les decks. Vraiment, voilà, vraiment pas mal du tout, je trouve, ce premier sneak peek. Et donc le deuxième sneak peek qui est vraiment le plus intéressant, parce que voilà, c'est vraiment le plus intéressant. Donc attendez, je regarde vite fait là. S'il y a une petite date ou pas, il n'y a pas de date ici, mais en gros, là on a les cartes déjà. Donc on va traduire. Donc là, deuxième sneak peek, on a 4 nouvelles cartes, c'est ouf, hein, 4 nouvelles cartes. Donc on a une légendaire, une épique, une rare et une commune. Donc encore une fois, voilà, une petite légendaire, ça fait plaisir. On va essayer de packer ça bien sûr, hein, du pack opening. Donc je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, on va voir ça vite fait. Nouvelle carte légendaire, le Mega. Ça s'appellera pas le Mega Knight, ça s'appellera. Attendez, je vais voir en anglais peut-être. Je vais savoir. Mega Knight. Bon, je sais pas comment elle s'appellera en français, mais je pense sur les youtubeurs français vous avez dû voir, mais. Mais je sais pas comment elle s'appelait, mais je pense peut-être le. Ouais, le. Je sais pas. Je sais pas. Mais en gros. Mais en gros, voilà, 4 nouvelles cartes, donc ça fait plaisir. Donc je sais pas quand elle va arriver. Je sais pas dans combien de temps elle va arriver, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Que ben, ces cartes là, enfin qu'on voulait des nouvelles cartes quoi, parce que ça fait voilà pas mal de temps qu'on a pas eu de nouveautés etc, donc ça fait quand même plaisir. Donc là il y a une mise à jour, enfin une mise à jour, une maintenance mise à jour en quelque sorte, le 12, donc ça sera lundi, mais je pense pas qu'il y aura toutes ces nouveautés là, je pense que ça arrivera plus tard, à mon avis. Je pense pas que ça arrivera le 12 juin, donc en gros ben, lundi quoi, demain. Donc voilà, en tout cas, attendez, on peut faire aussi, donc oui aussi on pourra, donc ça c'est les bonus, enfin les nouveautés bonus en quelque sorte. On pourra inviter des amis sur Clash Royale sans passer par les réseaux sociaux. Donc voilà, directement dans le clan, on pourra inviter des amis. Les clans des plus courants maintenant au niveau 1, les bonnes cartes sont toujours débloquées au niveau 3. Ah oui, on pourra créer des clans au niveau 1, ça c'est cool. Pour demander des cartes, c'est toujours au niveau 3 par contre. Et la TV Royale et les replays seront partagés. Là, il y aura un espace dédié pour la TV Royale plus important a priori. Et donc voilà, pour le sneak peek numéro 2, ben, comme je vous ai dit, les 4 cartes. Donc après ils disent machine volante pour la carte rare, machine volante. Mais je crois que ça c'est le ballon à squelette, la commune. Après je sais pas trop, je vais pas m'avancer trop, mais en tout cas voilà, 4 nouvelles cartes qui sont vraiment vraiment stylées. Et donc, aïe, information bonus, j'ai pas vu ça. De nouveaux défis sont à venir. Death Student, je sais pas ce que c'est ça, Death Student. Triple élixir carrément. Déjà double élixir c'était pas mal, le triple élixir, waouh. Surveille la notification d'or sur l'onglet tournoi. La notification d'or, je sais pas ce que c'est. Attends, on va mettre en original parce que ça m'étonnerait que ça veut dire ça. Ah, on pourra avoir un œil sur l'or qu'on a sur le tournoi. Bon, on verra ça. On verra. Bon, en tout cas, ce qui est vraiment bien, bah, c'est qu'on aura des nouveaux défis. Ça, je sais pas ce que c'est. Student Death. En gros, je pense que bah, si tu meurs une fois, t'as perdu. Ramp up, je sais pas du tout. Et triple élixir, ben en gros, x3, élixir x3, donc ça va être vraiment incroyable. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces deux sneak peeks vous auront plu. Je pense que dans les prochains jours, il y aura d'autres sneak peeks. Je vais essayer de vous faire ça, bien sûr, en vidéo, hein, bien sûr, essayer de vous tout vous présenter si je peux. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir, toutes ces nouveautés, surtout les 4 nouvelles cartes. Et bien sûr, ben, les petites infos là, les nouveaux défis, ça fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.